peux découvrir une histoire ou utiliser le jeu de construction. Choisis en cliquant sur un dessin. Un mercredi du mois de mai, Benoît m'avait invité chez son oncle Archibald. Benoît, c'est mon meilleur ami. Oncle Archibald tient une drôle de boutique au bout de la rue des Saules. Vue de dehors, elle n'a l'air de rien. Mais à l'intérieur, c'est un vrai labyrinthe. Dans la boutique d'oncle Archibald, de grandes étagères montent jusqu'au plafond. Elles sont garnies d'objets bizarres et de livres remplis de formules mathématiques. In Uncle Archibald's shop, big shelves go right up to the ceiling. They're filled with strange objects and books full of mathematical formulae. Dans la boutique d'oncle Archibald, jusqu'au bizarre. Oh. Ah. Ce jour-là, avec Benoît, nous avions décidé de continuer nos expériences de chimie rigolote.
Avant d'aller dans le laboratoire, Benoît m'a montré l'ordinateur de son oncle. Quand nous sommes entrés dans la pièce, il était déjà allumé. Pas étonnant, oncle Archibald est un rêveur. Le soir, il écrit des histoires. C'était justement une de ces histoires que l'on pouvait lire sur l'écran. L'histoire parlait de sorciers, de mages, de monstres, et elle donnait la description d'un curieux personnage. L'ogre fringale. Dans cette histoire, on trouvait une liste de bestioles inquiétantes, avec ou sans pustule, tout aussi vorace que l'ogre fringale, celui qui aimait tant les enfants, nappé d'une sauce au chocolat. Ces monstres étaient exactement le genre d'individus que l'on aime croiser le soir. Oncle Archibald avait noté les différentes façons de les neutraliser. Je tirai Benoît par la manche pour le ramener à la réalité. Nous
avions déjà fait tous les exercices du manuel. Et aujourd'hui, nous allions trouver la formule, la super formule. Un peu de sulfate de sodium. Un zeste d'acide nitronique. Le chlorifuge en poudre. Une pâte jaune élastique. N'oublions pas la soude d'encaustique. De la farine avec tous ses grumeaux. Un peu de sulfate de sodium. Nous avons rajouté le contenu d'une petite bouteille verte très étrange. Et ça a commencé à bouillonner, à fumer. On a décarpé à toute vitesse. Un inquiétant brouillard a envahi l'escalier, puis la maison tout entière. Nous étions pétrifiés. Soudain, les lumières se sont éteintes. Nous avons décidé d'aller chercher des bougies dans la cuisine. Mais dans le couloir, la vue d'une lueur a stoppé net notre élan. Derrière la porte, on entendait de drôles de bruits. Quelqu'un ou quelque chose marmonnait dans la cuisine. Un gigantesque crocodile poilu farfouillait dans le frigo en bougonnant.
L'ogre fringale, c'était l'ogre fringale, celui de l'histoire. Une horreur énorme. Nous étions paralysés. Salut, je suis l'ogre fringale. Je mange des enfants avec une sauce au chocolat. Mais je ne trouve pas la sauce chocolat. Par chance, je me rappelais l'histoire d'oncle Archibald et le moyen de neutraliser cette grosse baderne. Voilà la sauce chocolat. Maintenant, à table. J'ai juste le temps de dégainer mon pistolet à eau. Mais si l'ogre fringale s'était matérialisé, pourquoi pas les autres créatures de l'histoire? Seul l'inventeur de cet univers terrifiant était capable de nous sauver. Il fallait téléphoner à Oncle Archibald. Oh!
Archibald ne fut pas surpris par le récit de Benoît. Il allait nous rejoindre dans 5 minutes. 5 longues minutes. Qu'allait-il se passer ? Se dirigeait sur nous. Avec Benoît, nous nous sommes réfugiés dans le salon. En courant dans le noir, nous avons rebondi sur quelque chose de mou. Quand la lumière s'est rallumée, les monstres d'oncle Archibald s'exclaffaient en nous montrant du doigt. Il y en avait partout. Un vrai cauchemar.
Le plus gros des monstres s'avança et nous saisit. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ces deux rigolos? Oui. Nous étions certainement devenus fous. Ou alors, c'était un rêve. Le plus gros monstre voulait nous jeter à ses complices. Comment se sortir de là? Alors, avec ou sans chocolat? Faut les aplatir, Faut les faire fuir à la poêle. On n'a qu'à en faire du pâté, Et brûler à petit feu, Faut les faire bouillir dans l'huile, Allez, mange tout creux. L'arc, et si on les découpait en morceaux? Moi, je dis qu'il faut les écrabouiller. Je veux une cuisse! On pourrait les faire cuire, non? Oh, oncle Archibald! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous allez tous réintégrer vos histoires! Gras double! Dois-je me servir de mes boules puantes? Oncle Archibald menaça les monstres. Vous êtes ici par erreur! Regagnez vos comptes, sinon je vous transfère dans un roman à l'eau de rose! Ah,
Les monstres disparus. Benoît, aurais-tu utilisé une petite bouteille verte ? Benoît acquiesça timidement. Alors, oncle Archibald nous explique à tout. Il n'y a qu'un seul moyen pour amener les personnages imaginaires dans la réalité. Il faut utiliser cette petite bouteille verte. Elle contient une mixture magique. En l'incorporant à votre expérience, vous avez inventé un produit extraordinaire. Il donne le pouvoir de matérialiser les choses qu'on imagine juste après l'apparition d'un grand brouillard. Ah, vous l'avez vu, ce brouillard ? C'était le début de l'enchantement. Ah, comme j'aurais voulu voir ça! Depuis des années, oncle Archibald cherchait la formule magique. Et nous, par hasard, nous l'avions trouvée en 5 minutes.
Découvrir une histoire ou utiliser le jeu de construction. Choisis en cliquant sur un dessin. Tu veux que je te montre comment jouer? Oh, il n'y a plus de place. Impossible de rajouter une seule chose sur cette image. Si tu veux prendre un objet pour le déplacer, clique la main qui prend, juste à côté du sac. Utilise cette main pour cliquer l'objet que tu veux prendre et déplace-le en bougeant ton curseur. Pour poser l'objet, clique une nouvelle fois. Tu sais que tu peux enregistrer tes histoires? Clique sur la petite caméra, puis sur la touche rouge pour enregistrer tout ce qui se passe sur ton image.
Quand cette flèche apparaît, tu peux cliquer pour faire entrer ton personnage dans une nouvelle image. Oh!
Tu as fini de jouer? Tu peux découvrir une histoire ou utiliser le jeu de construction. Choisis en cliquant sur un dessin. Tu as fini de jouer?